Les femmes toujours, 2500 sont attendues dimanche à Paris en vélo. La Fédération française de cyclisme veut ainsi promouvoir le vélo au féminin. 14 femmes du club jurassien de Longwy-sur-le-Doubs se sont lancées ce matin pour rallier la capitale. Thierry Chauffour, Affaire d'Itribaïmrage, les ont rencontrées. Ambiance de fête déjà avant le départ. Café, croissant avant d'enfourcher le vélo pour 420 km en 5 étapes vers Paris. Elles sont 14 femmes du club de cyclotourisme de Longwy-sur-Doubs à relever le défi de toutes à Paris. Emma fait une photo de ses deux grand-mères, dont Monique, l'une des plus expérimentées du groupe. J'ai toujours aimé le vélo. Et mon mari faisait du vélo, mes enfants ont fait des compétitions. J'aime beaucoup le vélo. Comment ça se passe dans le club? Très bien, très bonne ambiance. Dans ce village de 900 habitants, le club de cyclotourisme a été créé il y a 4 ans. Il compte 46 licenciés, dont 21 femmes. Nous, on a des femmes qui faisaient 10 km il y a 4 ans. Elles ont fait 200 km au mois de juillet. Ça s'est passé sans problème, donc en allant doucement, mais ça se fait tout seul. Hein. Aujourd'hui, c'est leur premier voyage itinérant. Je peux vous dire qu'elles ont toute la trouille, mais elles vont y arriver, j'en suis certain. Pourquoi font-elles du vélo? Pour le plaisir, tout simplement. Ici, le contrôle antidopage, c'est pour rire. On se retrouve, on roule, ça vide la tête, plus de boulot, plus de petits soucis, on est ensemble, on passe des très bons moments et voilà. Bon alors, on s'est rafraîchi, donc le blouson. Départ imminent, les 14 femmes de Longwy sont maintenant de plein pied dans ce grand événement organisé par la Fédération française de cyclotourisme pour la promotion du vélo au féminin. C'est pour l'expérience entre 14 femmes. Voilà, je trouve que c'est une belle idée. Quand on m'a dit qu'il y avait ça qui se proposait, ben j'ai dit c'est parti. Premier kilomètre sur les routes plates du Nord Jura. Dimanche, elles seront à Paris parmi 3000 autres femmes avec, on l'imagine, beaucoup de choses à se raconter. Voilà, et on leur souhaite une belle route. Voilà, Haute, pour l'actualité de ce mardi. Merci Sophie, place à présent à notre feuilleton.